vachement utile. Vas-y, on va mettre le porn. Alors, est-ce que c'est du porn ou est-ce que c'est autre chose? Ça a pas trop l'air de porn comme ça. Ouais. Oh, si, en fait. Si, du porn. C'est sadomaso. Bon, bah, ça écoute, qui est bon. Je vais peut-être attendre qu'ils y aillent quand même. Ah, ils y vont, c'est bon. Ils sont que deux. Bon, on va faire pas ton temps, sinon on vient de l'éteindre après. Ok. Oh, le style hors Sci-Ride. L'ascenseur, peut-être? Non. Non, toi, t'es en plein rêve, toi. Ça va, hein? Là? Je suis wanté. Zone hostile. C'est pas là d'où je viens, ça? Non. Non. Dead or gone. Ouais! B. Ça va me tuer un petit peu, non? Je sais pas en fait. Essaye! Oh merde! Vas-y! Il est mort? Pas encore! Oh, je pense que si tu fais B, ça va te suspendre, ça va te tuer, mais c'est useless. Ouais. Bon, bon bah... rentre. Bah, il faisait beau. Bon, bah, ça fait un garde de moins après tout. On peut crocheter cette serrure, ça doit être par là. Ah. Je reconnais. Les mains du l'air. J'ai dit les mains du l'air. Retourne-toi. Non, non, oh, doucement, tu me donnes la gerbe. Vas-y, avance. De quoi, par là? À droite. C'est plus discret. Metal Gear. Elle s'appelle Victoria. Et elle vaut un sacré paquet de fric. J'en sais rien. Trafic de pute. C'est une sorte de surdoué ou un truc dans le genre. Mais bon. Et il parle de la gamine en fait. Ah d'accord. Et on la retourne. Pardon. Ça va faire mal. What is that? Perdu. Hmm? T'es sérieux? Pourquoi? Tu t'es fait choper? Non, tu te fous de ma gueule. Ah bah, non. Je sais, tu t'es fait choper, mais c'est fait exprès. Ah bon? Ne fais pas de frayeur comme ça. Ah oui, ça t'a effacé tous tes points de contrôle, tu recommences la première mission. Ah ouais. Sympa ce jeu. Ouf. On t'a pas appris à frapper avant d'entrer. T'as pas assez de force dans les mains, tu vois, quand tu veux étrangler des mecs qui font 200 kilos de plus que toi. Ouais, c'est un peu dur. C'est qui, lui? C'est un flic? Un détective privé? Oh putain, je le crois pas. Oh, c'est qui, alors? C'est pas un détective privé. C'est un putain de fantôme, c'est une légende, le cœur parfait. Oh la vache. Mais putain, mais de quoi tu parles? Ce type, ça change tout, putain, ça... ça change tout. What? Mais qu'est-ce qu'on va faire de lui? Bonjour, service d'étage. Merde. Ah ouais... Qu'est-ce que tu vas faire? J'improvise. Buenas dias, Pepita. Bonjour. Écoutez, on a mis un peu de désordre. Vous devriez nettoyer tout ça. Oui, s'il vous plaît. Nettoyez maintenant. Bien sûr. Entre, ma jolie. Ça fait coup de chita, hein. Voilà. Toi, tu porteras pas plainte. En tout cas, j'ai pas perdu la main. La peau. Mais elle est noire. LOL. Ça ferait plus plaisir que de te buter de mes mains. Moi, tuer le légendaire assassin. Oui, mais je suis pas sûr que ça servirait à mes intérêts. Alors. Non. Oh non. Mon Dieu. Qu'est-ce que t'as fait? Je me demande qui va.
J'ai l'habitude hein, d'être accusé de meurtre. Ouais. J'ai mis les dents dégueulasses de m'envoyer les fleurs. Mais putain, je suis un génie. Un putain de génie. Tiens, si tu veux boire. Non. Tout bien réfléchi. À la tienne, enfoiré. Oh le gâchis. C'est pas une bonne idée. Ce gâchis d'alcool. De quoi ? Ce gâchis d'alcool. Non, mais c'est pour la bonne cause. Allez chérie, tu ferais mieux de te bouger. Moi j'ai déjà essayé ça, ça a pété l'allumette, mais c'est tout ce que ça a fait. Adios. Genre t'es recouvert d'alcool mais tu prends pas feu. Mais c'est bon ça. Là par contre toi. Ah non. Arrêtez, police. C'est pas un vrai, il a pas l'accent marseillais. Pas dit police vos papiers. Va te faire enculer. Je répète, il ne reste plus que ça, j'imagine. Évidemment. Non, c'est Jean-Michel. C'est pas Ramirez. C'est pas Ramirez dans la police. Ouf, c'était juste. Bon, finalement, je vais peut-être pas signer, moi. Restez où vous êtes. Je vais vous présenter vos papiers, les papiers de votre véhicule. Putain, quelle bonne idée d'aller sur le toit, mais oui. Bien sûr. Et bien, c'est des trucs anciens qui tombent, mais l'échelle reste stable. Appelez le sergent Meyer, qui vise à ses hommes pour bloquer l'arrière. Sergent Meyer, c'est Meyer. Oh merde. Salut. Merde. Elle est où l'arme? Elle est là. Je vais me déguiser en flic bientôt. Putain, ça ressemble au vrai arme de la police française. Quoi? Il ressemble au vrai pétard de la police française. Putain, va te faire enculer. C'était discret. Facile ce jeu en fait. Mais... j'ai deux flingues. Ok. Déguisement. Ça, tu peux dire que je suis de la police nationale. Faut que j'ai l'accent marseillais, sinon c'est pas crédible. C'est ça. Si tu vois quelqu'un qui est d'origine maghrébine, tu lui demandes ses papiers d'identité. Très bien. Ah bah oui, je prends le couteau playing. Tout à fait. Je peux peut-être courir quand même, j'ai un peu le feu. Tu perces la porte, c'est l'heure de la perquisition. Ouais. Eh, c'est comme ça, hein, dans la police. Oh, on fait pas les marioles. Complètement fada. Chagasse. Oh là, ils sont armés, hein. Moi je rentre pas. Hein. Je vais les mettre des PV sur l'autoroute. Putain, je préfère faire la circulation que... je préfère aller mettre des PV aux gens qui roulent à 116 au lieu de 110. C'est moins risqué. Après tout, l'autoroute c'est pas cher, c'est bien connu. Autoroute c'est pas cher, c'est bien connu. Autoroute Rochefort Paris c'est pas cher. Tout à fait, tout à fait. Et au moins 0 euros. En plus l'essence. Et pourquoi je me plains qu'il y a mes collègues là-bas? Gardien de la paix avant tout. Tout à fait. Je suis Marcel Patulacci. Ouh, i, ouah, ting, ting. Voilà le ding, ding. Voilà, c'est là que je peux le faire. Ouh, i, ouah.
Mais là, s'il me remarque... Bah, il te remarque, quoi, t'as l'air d'un con. Ouais, puisque pourtant je suis déguisé en leur collègue. Bah oui, mais comme depuis le début, quoi, tu te déguises en garde, ils voient que tu ne te connais pas. Il n'y a que dans les McDo où tu peux t'incruster en disant que t'es nouveau, ça marche. Pas dans la police. La police nationale, faut que t'aies fait tes armes. Faut que t'aies déjà cassé des gens qui n'ont pas de papier. Ah, d'accord. Ben oui. Je comprends. Et toi, tu as tes papiers, toi? Tout est en ordre. Il n'a pas encore mué, le salaud. Chagasse. T'as entendu? Fada. Coucou. Tu vois ma bite? Eh, t'aurais pu juste se maîtriser, c'est vraiment une pute. Hein. Ah, moi je lui pète la ouais, gueule. Ouais, c'est un futur collègue à moi. C'est comme ça dans la police, hein. Nous on fait avouer les criminels comme ça. Hein. Bah là il avouera plus grand chose. De temps en temps, en fin de journée, il y a des bavures et c'est comme ça. Mais bon. Là mon accent il est parti sur autre chose là. Oui, là ça y est. Un petit peu le fail total là. Oui, tu me connais. Voilà, point de contrôle, tu l'as dans le cul. Contre moi aussi. Oui, parce que t'as point de contrôler sans instinct. Oh, il y a une manivelle. Il y a une manivelle, collègue. Tu peux faire tomber le luminaire. Tomber là, tomber. Bah, y'a personne dessous. Ah putain, remonte-le. Tu vas le refaire retomber. Ah, c'est trop long à faire ça. Ah, tu peux plus le remonter. Bonjour. Et depuis quand on met des luminaires sur des manivelles aussi? C'est une nouvelle mode ça? Vise la tête de quelqu'un au moins. Que ce soit utile. C'est la mode à Marseille mon enfant. Faut pas viser la tête alors. Suspicieux. Ah bon? Il se passe des choses bizarres. Oui. Je viens de me prendre le manteau dans la gueule. Il se passe des choses bizarres ici quand même. Dans Skyrim ils auraient dit tu n'étais sûrement rien. Je suis un peu dans la merde là. Une minute, ce serait pas. Si, c'est bien moi. On a pris un verre de vodka il y a pas longtemps. Et on a pris du pastis aux fruits rouges. Oh putain. Et c'est du ricard ou du pastis, ça, c'est pas de la vodka. T'es à Marseille ici, hein. Et c'est ça qui est bon parce que ce soir on va se boire du pastis donc ça correspond bien au truc. Aux fruits rouges. Aux fruits rouges, s'il vous plaît. Parce que nous on. Le mec, ils sont en pleine alerte. Permettez-moi de vous dire que votre comportement. T'as un tueur en série dans le truc. Permettez-moi de vous dire que votre comportement ne me convient pas. C'est le flic qui est pas du tout crédible. C'est pas grave, hein, vous avez juste foutu le feu à un immeuble, tué des dizaines de personnes. Mais permettez-moi de vous dire que votre comportement ne me convient pas. C'est genre t'interroges un suspect qui a braqué une banque. Il est où votre collègue? Je sais pas. Oh, je comprends, vous avez oublié. Oh merde! Pourquoi il a tiré ce con? Bah parce que t'avais une arme à la main peut-être. Arme à la main. Oh, ils ont découvert un corps. C'est bien, c'était pas discret mais c'est bien. Voilà. Toi aussi, c'était discret. Bonjour. Merde. Ça, c'est moche, ça. Non, c'est bon. Tu peux même te mettre en LT, il te verra pas. Ah bon? Oui. Sérieusement? Oui, sérieux. Bonjour. Complètement con. Coucou. Tu veux voir ma bite? Coucou. Coucou, Ibo. Coucou, Ibo, coucou, Ibo, coucou. Ça fait quoi, je suis appuyé là? Ça éteint la console, c'est une mauvaise idée. Ah bon? Mauvaise idée. Et tu mutes, et tu démutes. Non, on mute pas. Ah bon, je mute pas. Ah non, on mute pas. Y'a que la voix de Enzo qui a le droit de muter. Bon. Ça y est, je peux sortir. Coucou. Non, y'a un flic. C'est la police nationale. Y'a putain. Putain, con. Chagasse. Ah, marche plus. Ah, il comprend mieux pourquoi ça marche plus. Par contre, j'ai aucune idée de là où je dois aller. Eh, comprends mieux, la prison n'est pas branchée. Eh oui. Putain, comment tu veux faire marcher le taser si tu le mets pas à charger? Bah, tu le fais pas marcher. Tu utilises ton arme de service, ça marche mieux. T'as pas besoin de charger.
Putain. Permettez-moi de vous dire que votre comportement ne me convient pas. Merde. Parfait. Peut-être c'est un fantôme qui passe à travers les miens. Je suis trop fort. Allez, par là. Par contre, il s'est passé quoi en fait dans cette bibliothèque? Là, il y a la question. Je suis dans la merde. Ce fils de pute! Ah, c'est par là? Putain, c'est du foutage de gueule. Faudrait qu'il fasse un régime, hein, 47. Bonjour, ça va? Niqué. Fuck! Central, on veut notre prime. Excusez-moi. J'en ai ma claque, les surprises. Allez! Comme vous voulez, chef. Ça commence à les emmerder, je crois. Oh non! Oh non! Pas aujourd'hui! La semaine prochaine! Oh non! Faut peut-être pas que je monte trop. Oui, mais de toute façon, tu pourras pas. Le mec, il comprend pas, ça, il tourne en rond comme ça. Je veux bien que ce soit, mais quand même. Bon, écoutez, cette situation. J'ai autant que vous envie que ça se termine. Mais restez vigilants, ça pourrait être dangereux. Je préfère être vigie rapide que vigilant, perso. C'est plus utile. Ouais. Y a pas moyen de descendre par là? Ben non, forcément. Ce serait trop facile. Je sais pas du tout où je dois aller, c'est horrible. Je m'en rappelle plus. Mais à mon avis, faut que tu sortes, donc... vaut mieux que tu descendes le plus possible. C'est quoi, ça? Ben, tu fais tomber un luminaire? Lequel, la question? C'est useless, c'était pas le bon. Comme par hasard. Fais gaffe, cramé. Rendez-vous à quelle heure? Chargasse. Rendez-vous où et à quelle heure? C'est ça ta manière de te rendre, ça? Voilà comment je négocie, moi, avec la police. T'as que 48 balles. Je vais en trouver sur les cadavres, moi. Et ça coûte cher du 9mm, hein, je te préviens d'avance. J'en ai rien à foutre, moi. Justement, ce sera peut-être plus facile quand il y aura des cadavres partout pour se déplacer. Putain. Non, je disais, les balles, elles coûtent cher. Oui, bon, ça, on s'en fout. C'est pas moi qui paye. Heureusement, ça se recharge du 9mm. Ah! Vas-y, viens! 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 Voir le docteur. Viens voir le docteur, n'en aie pas peur! Un enfant qui faisait caca. Je vise comme une merde! Un passage le plus faux. Mais bon, si tu faisais que ça comme une merde encore. Comme une merde. Oh putain. Tu t'as dit comme une merde. Pourquoi elle a fait bide cette chanson? Elle était marrante. Les gens ont pas d'humour. Non, c'est Cyprien qui avait pas d'humour sur le coup. Pas les gens. Ouais, y'a pire, franchement. Ça vaut pas le rappeur du 9-2. Hein. Oui, c'est sûr. Rappeur du 9-2, t'es vraiment qu'une queue. Je sais plus qui c'est qui a fait ça, mais c'était juste lamentable en réponse en fait. Bilal, parking, Descartes, 311 ZFR. Y'a rien à faire. Ouais, représente. Ta tête, ta touffe de mouton, généralement tout le monde dit que t'as une tête de con. T'es moins efficace. Attends, ils sont plus que 3? Sérieusement? Bah, il semblerait. C'est Jean-Michel hein, qui reste. Hein. Oh putain, Jean-Michel!
La dernière fois, t'as pas apporté le pastis, ça tu vas le regretter. Hein. Et donne-moi ton HXUMP là. Ouais, UMP. Pardon. Excusez-moi. UMP, UMP, UMP. Badaboum. Trop facile. UMP, UMP, UMP. Change ton déguisement. C'est le même ça ou... Non, bah je veux pas lui alors. C'est en shérif. Non, c'est le même. Ouais, ça change rien. Mais c'est pas lui que je voulais. Moi je voulais. Oh, des ciseaux. Parce que tu t'habilles comme une merde. I need Caesar 61. Caesar ? Non. Jules ? Caesar ? Mais non, pas Jules. Gérard ? Caesar ? Tiens, tu peux faire tomber un luminaire. Merde! Mais useless là! Yes! Oh non, merde! C'est moche! J'y ai cru! J'y ai cru, j'y ai cru! C'est pas très stable les lumières hein, dans cet endroit. Il est le gros con. Ouais, on devrait les réparer. Oh merde! Au pire, une fois que j'aurai tué tous les flics, je serai tranquille. Oui, mais c'est pas le but d'Hitman en fait à la base. Oui, je sais. Bon, au moins, vous avez de l'action, hein. Écoutez, vous avez de l'action. Non, mais c'est useless. T'enlèves tout le charme de Hitman. Écoutez, écoute, hein. Voilà, j'ai... Donc, si vous êtes d'accord avec moi, mettez-lui un pouce rouge. Arrête avec ça. Là, ils vont te prendre au sérieux au bout d'un moment. Bah, ils ont raison. Moi-même, j'en mets. Que je suis une pute. Même si vous êtes pas d'accord avec moi, mettez un pouce rouge pour dire, pour montrer votre désaccord. Et si vous êtes raciste, abonnez-vous. Ah, je suis dans la merde. Oui, on n'avait pas que 3. Bon, moi je crois que je vais mourir. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais là... Là, je pense que t'as joué comme une merde. Ouais, mais bon, c'est pas facile aussi. Prends un steampack. J'ai tenté, j'ai échoué. Monsieur, votre comportement est plus que suspect. Arrêtez ça. Y'a personne. Il parle tout seul, lui. Il est plus fou. Putain, ils sont fous les flics de nos jours. Complètement fada. Aïe 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 aïe, il va. J'imagine c'est par là. Mais c'est useless ça, ce que tu viens de faire. Oh putain, Francis, qu'est-ce que tu as fait? Tu es fou, dis. Putain. Ah, un chat. Ah ben voilà. Il y a un chat qui est passé? Il est là, il est à la fenêtre. C'est une grosse chatte. Oh putain, elle va venir miauler. Ça va, grosse chatte? Ça te dérange pas que je t'ai piqué tes gosses? Ils sont mignons tes gosses, hein? T'aurais dû les garder. Oh là 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 là. Un moment, s'il vous plaît. Madame! Merde. Je suis repéré. Gardien de la paix avant tout. Hein. Oh putain. Oh là là là. Eh, il est horrible ce passage, franchement. Tu t'es fait choper, toi. C'est pas moi, je vous laisse, moi. Vas-y, passe en bourrin, tu. Non, c'est de là où tu viens. Putain, je sais pas où faut aller, ça me saoule. Bah, c'est celui de tes collègues. Vas-y, bah, profites-en, tu sais pas où faut aller, cours. Je vais mourir. Oui. Effectivement. Tu me dis un moment si je te dise où faut aller. Hein. Oui, ce serait pas mal. Ah, bah, je te le dirais bien, mais je sais pas. Ok, merci. J'espère que ça t'a aidé.
T'es même pas capable de faire un putain de QTE. Je suis surtout en plein stress à cause de tout ce qui se passe autour. C'est pour ça que je l'ai fail. T'as un QTE à deux touches, quoi. Putain, c'est quoi cet épisode fail, là? Bien, chaque fois que je me trompe de bouton... Ce que je te propose, si tu veux pas faire ta virilité, tu continues de faire comme ça jusqu'à y arriver, et tu fais un montage. C'est ça, ouais. Tu t'enchaînes juste après la sortie de l'hôtel, tu fous directement la partie où tu vas y arriver. Non, mais je pense que je couperai les parties chiantes. L'air d'un troll. Je ferai un montage, mais pas forcément en enlevant les fails. Juste couper les parties chiantes. Vous enlevez les fails. Mais non. Faut assumer ces fails. Non, peu, moi j'assume pas. De toute façon, je vais mourir là. Tout comme j'assume pas être de ta famille. Je vais me suicider. C'est vrai? Ouais. Ah mais... Non, constitue quelque chose pour que je puisse hériter de quelque chose. Peux-tu me faire un testament avant? Ou un test à vérité, c'est comme tu veux. Moi, un testament, c'est mieux. Non, je préfère le test à vérité. Tester la vérité, c'est chiant. Tu sais que c'est la vérité, c'est pas drôle. Mm-hmm. Mais un testament, c'est que c'est un mensonge. C'est pareil. Pff. Ouais. Et bah oui, hein. Allô, c'est peut-être pas parce que t'es là. Elle part de finir dans la poubelle ou sous l'eau. Je la comprends. Spite ou l'homme qui jetait des chats dans les poubelles. Bah quoi, oh, là, c'est radical là, quand le chat fait chier. Mais tu m'as interdit de l'égorger. Bah, je préfère éviter. Ah oui, mais si tu m'interdis de l'égorger, moi, je vais chasser quelque chose. Hein. C'était quoi ça, votre nom? Le Y? Ah, rebord. Oh. Le troll. Sérieusement? Le troll. Sérieusement? Oh non, c'est moche. Oh putain, c'est moche. Tu t'en souvenais de ça? Pas du tout. Bah non, je l'aurais dit quand même. Putain, c'est moche. Sérieusement, quoi. Tu y étais dès le début, quoi. Oh là là, c'est comme ça que je finis la mission. On peut le temps de charger jeuxvideo.com, quoi. Ouais, on fait un petit placement de produit pour jeuxvideo.com. 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 Ouais. Mais ils m'ont vu un petit peu, là, quand même. Non. Pas du tout. C'est useless. Sur ok. Bah ça se tente, écoute. Oh les fils de pute. En fait, c'était pas démasqué là-bas. Ah bon? Je sais pas, il y avait écrit démasqué. Comme j'ai fait comme toi, moi je suis là-dessus aussi au début. Putain. Mais les mecs, on est des collègues, c'est bon. Je vous paye une bouteille de pastis si on en parle plus. T'as pas sauté sur cette côté. De pas sautisse. Matrix. Mirror's Edge. On appelle les mêmes références. Référence. C'est Mirror's Edge, j'aime bien cette chose. J'aime bien revenir. Ah, il est sale, suce d'épée. Oh, c'est gay. Ça peut être hétéro aussi, hein. Oui, mais bon. Ah oui.